Lune. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 917 de One Piece. Donc je vais vous expliquer comment fonctionnent les reviews, je vais juste vous mettre à fond pour que vous ayez quelque chose à regarder avec une petite musique, que ça soit quand même agréable. Puis moi je vais juste causer, parce que avant sur mon ancienne chaîne, je mettais les images d'escade, mais je me suis fait strike, donc maintenant bah ça sera juste de l'audio, voilà. Un peu une sorte de radio, on va dire. Enfin bref, commençons la review du chapitre. Comme d'habitude, nous sommes sur les mini-aventures de la grande flotte du chapeau de paille, et en ce moment, c'est Bellamy. Et donc Bellamy, il est devenu une sorte de graphiste, il est en train de nous faire sûrement des pavillons pour la grande flotte de Luffy sur des morceaux de tissu, parce qu'on le voit dessiner une tête de mort. Enfin bref, supposition, mais j'avais déjà entendu ça quelque part, je ne sais plus qui, mais je trouve ça quand même cohérent. On enchaîne donc sur là où c'était laissé à peu près, la semaine dernière, enfin il y a deux semaines. Et on a donc un père de famille qui vient voir Otsuru-san parce que un de ses enfants a bu de l'eau de la rivière parce qu'il avait tellement soif qu'il n'a pas pu rester, donc il a empoisonné le pauvre. Et donc on est toujours bien sur la logique du pays qui est vraiment coupé en deux, les pauvres qui ont rien à manger, qui s'empoisonnent pour pouvoir se nourrir, et les hommes de Kaido et le Shogun qui sont avec des centaines de merveilles de nourriture, qu'on verra plus tard. Et justement, on le verra plus tard, c'est maintenant. On voit qu'il y a une sorte de plaine vraiment épargnée par rapport à la pollution des usines de Kaido. Et Wano devait sûrement être comme ça partout jusqu'avant. Mais là, c'est juste les terres du Shogun, les terres Utopie. Je suppose que c'est les terres du Shogun. Donc on peut voir plein de nourriture, des œufs, de la viande, des coques, des fruits, des poissons. Voilà quoi, c'est le paradis niveau nourriture. Et ben on apprend que c'est tous les villageois qui ont bossé, qui viennent donner la bouffe, et eux, on leur donne 5 pièces d'argent qui n'est même pas suffisant pour eux s'acheter de l'eau potable pendant une semaine pour une famille. Et on découvre donc Speed Sama, enfin Speed qui a mangé le smile du cheval, qui est une femme centaure en gros, mais je pense que ça devait être une longue jambe vu la taille de ses jambes, à moins que c'est son smile qui a donné cette caractéristique. Bon, elle a aussi un sourire de cheval, ce qui est plutôt un gag parce qu'elle a quand même une tête assez bien correct de base, mais quand elle rigole, elle est vraiment horrible, enfin bref. Et donc son rôle à Speed, c'est de contrôler, de prendre la marchandise et de la livrer partout dans Wano. Donc Speed se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas avec la maison de l'autre tête de lion, j'arrive pas à retenir son nom, Holden, ouais voilà, je crois que c'est Holden, un truc comme ça. Et donc on revient là où s'était arrêté Luffy avec Holden et son lion qu'on apprend son nom, avec la petite Otama dans sa gueule. Et donc le Holden nous parle de Shunten Maru. Et donc lui, faut qu'on retienne son nom parce que si c'est le, en gros le, comment je pourrais dire, le chef des voleurs, c'est le chef d'une rébellion, je pense, un truc comme ça. C'est Okiku, qui est la samouraï, elle a l'air de le connaître, je pense, elle doit faire sûrement partie de ce groupe, comme on déduit Holden. Chose intéressante, Okiku nous dit que si Luffy il tape Holden, va voir le boss du village Bakura, enfin de la zone. Le boss de la zone, c'est Jack la sécheresse, le bras droit de Kaido. Donc ça nous donne encore un peu plus une idée de comment se marche Wano Kuni. Donc on doit avoir le Shogun qui doit être avec ses samouraïs. On a une ville où il y a Hawkins, il y a le Holden et l'autre, là je sais plus son nom, qu'on a vu tout au début de l'arc de Wano. Ces trois gars-là sont régis par Jack la sécheresse qui contrôle ce village, donc ça doit faire ça. En gros, un territoire, une calamité, trois, je sais plus comment on dit, sorte de petits commandants, et ça doit faire ça à chaque fois. Donc c'est bien, ça nous donne une petite précision sur comment marche Wano Kuni sous l'ère de Kaido. Et donc le fils se souvient, ah oui, etc., c'était Uyazu qui s'est fait déglinguer par Zunisha, enfin voilà. On apprend que Jack n'est pas mort, oui, mais ça nous pose vraiment la question, déjà c'est qui l'a sorti de la flotte. Voilà, de 1. Et de 2, on peut en déduire que c'est un homme poisson maintenant, on a quasi la certitude parce que, bon, dans l'eau, son fruit du démon le rend complètement KO, quoi. Et il a quand même réussi à respirer au moins une semaine ou deux, quoi. Enfin, on sait pas combien de temps il a mis pour se faire sauver, mais même 5 heures. Voilà, c'est... On a quasi... Enfin, il manque plus qu'on nous dise Jack est un homme poisson, mais on a quasi la confirmation. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, Okiku nous parle du naufrage de Jack, et qui nous dit, si vous énervez Holden, et que Jack la calamité vient ici en représailles, et alors cette ville se transformera en véritable désert. La question que je me pose, c'est quand Jack il arrive, s'il casse tout, ça sera un désert. Est-ce que ça sera un désert parce qu'il n'y aura plus d'habitation, ou est-ce que c'est son pouvoir qui ferait que il assèche un peu? Mais bon, ce serait bizarre parce que Mammouth, air glaciaire,
Enfin voilà, pense plus que c'est parce qu'il va tout détruire et ça va faire une sorte de désert. Et donc on a le Holden, je retiens pas le nom de son lion parce qu'on risque sûrement plus de les voir, qui est en train de croquer la petite. Donc Luffy là, on voit bien un arrête enfoiré, mais vraiment l'expression méchante. On a Speed qui arrive, oh là là, les belles provisions. Luffy qui dit, ouah, toute cette nourriture. Oh mais les méchants, ils gardent tout pour eux. Donc Luffy là, il commence vraiment à devenir un peu méchant, un peu plus mature, parce que d'habitude c'est oh il est pas gentil, on va aider les autres, là c'est vraiment il est pas gentil, ça me prend à cœur quoi. D'ailleurs on avait un débat là-dessus, on en a parlé, enfin j'ai déjà parlé avec des gens, je vais faire court, mais comme quoi le fils serait un héros malgré lui. Là ce qu'il va faire c'est pas un héros malgré lui, il prend la bouffe puis il va la redonner aux villageois, il va pas la manger que pour lui, enfin je suppose. Et la façon dont il se comporte, ça fait un peu plus une maturité, comme je disais dans ma théorie sur la mort de Jinbe. Oui, je fais un peu de la pub pour tout, mais enfin bref. On a donc Hawkins qui arrive au village de Bakura. Écoutez comment je fais bien l'escargophone. Palop, palop, palop. Enfin voilà, qui appelle Holden et qui ne répond pas. Et donc là, nous avons un mystérieux samouraï avec une tête de paille, un tonneau sur la tête, enfin je sais pas trop quoi. Et donc, on a reconnu le sabre de l'eau qui vient pour arrêter Hawkins, qui nous dit « Par chance, ce pays autarcique n'a aucune information. » Autarcique, je sais pas ce que c'est. « Il faut se débarrasser de quiconque connaît nos visages. » Il y a deux solutions, là, l'eau, soit il va se débarrasser de Hawkins, ce qui serait plutôt bien, soit Hawkins, il va le rejoindre. Mais bon, comment qu'il nous dit ça, je pense que ça va être l'affrontement. On a donc Holden qui nous dit « Bon, on n'a pas besoin de trois otages, tuons en un tout de suite. » Femme, approche, t'es tombé sur toi. Donc voilà, blablabla. Et là, on est en mode Zoro et Luffy en fiou, tu sais, qui disparaissent en mode super vite. Et là, le lion, il se fait déglinguer, voilà. C'est cool. Donc de ce côté-là, il y a Zoro qui prend les marchandises, enfin voilà. Luffy dit, oh bah tiens, qu'est-ce que t'as à la joue, ma petite? Oh, tout va bien, on me l'a juste tiré à la pince. Et là, Luffy, vraiment, le regard méchant palpite à la pince. Et là, ouf, je vais faire un petit parallèle, mais ça me fait penser à Roger, qui dit, comme Roger, la légende raconte que n'importe qui, enfin, je vais y arriver, comme quoi il peut décimer un équipage si on fait du mal à un de ses amis. Et là, ça fait vraiment écho avec Luffy, bon, c'était déjà comme ça. Bon, après, la fille, c'était une grande amie de Ace, enfin, voilà, donc, mais il y a plein de choses, mais il pourrait juste dire, on se reverra, tu vois, que là, il s'en fout. Et donc, on a le mec qui veut faire cracher son lance-flamme, et là, Luffy qui nous fait un... Ça a l'air de Hawk, première fois qu'on voit un Red Hawk aussi badass quoi. Pouf, il lui a explosé la tête. On ne discute plus, Luffy est sérieux. Voilà, on va faire un écho. L'archipel Sabaody, un peu la même chose, tu as fait du mal à mon ami, et moi je t'explose la tête. En plus on peut voir que c'est un peu le même style de grosse baffe qui met Luffy. Avec la tête en mode les cheveux tout blancs, enfin les yeux tout blancs pardon, les joues complètement écrasées avec les chicots qui volent. Ça fait vraiment le parallèle avec ce Charlos. On fait le parallèle, Charlos se fait éclater, merde, comment il s'appelle, Kizaru arrive, Holden se fait éclater, Jack arrive. Donc, est-ce que c'est le début d'une grande bataille qui va arriver? Moi, je pense que c'est le Zoro qui va se le faire, le Jack, y a pas moyen. Hein. Sachant qu'il se bat avec des sortes de lames, enfin, voilà. Et donc, le chapitre se termine et il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine. Donc, c'est très bien. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce chapitre? Fort bien, on apprend beaucoup de choses, on a un Luffy qui se transforme vraiment en Kaïd, si je puis dire. C'est plaisant à voir. Law versus Hawkins qui se prépare, c'est plutôt cool. Moi je pense fortement, peut-être pas dans le prochain chapitre, ça ferait peut-être rapide, mais d'ici 2-3 chapitres au moins, je pense qu'il y a Jack qui va se ramener et peut-être une confrontation. Bon, chose aussi que j'attends, j'aimerais bien que l'équipage se réunifie, parce que le fils Zoro, bon voilà, ça fait plaisir, mais ça serait bien que tout le monde se retrouve. Et surtout, moi j'ai envie de que Luffy leur dise, wesh, 1 milliard 500 millions béret, tu vois, j'ai envie de voir la tête des autres, mais ça arrivera peut-être dans plusieurs chapitres, d'histoire que ça se calme, parce que là, comme je vous le dis, je pense au moins à 50%, pas dire 90% si ça arrive pas, voilà que j'ai pas trop l'air con. À 50%, il y a Jack qui va se ramener et il va voir quelque chose. Cette réunification des Mugiwara, ça sera sûrement dans quelques chapitres. Enfin bref, très bon chapitre. La suite s'annonce très 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 lourd, j'attends de voir ça. Dites-moi si vous avez aimé le chapitre, si vous avez apprécié la review, enfin voilà, vous connaissez la machine quoi. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.